السلام عليكم، مرحبا بكم في تعليم اللغة الألمانية بالنسبة للمبتدئين لا ميثود لاوس. معكم يوسف دلال في كرونو باك 2018، نشرح لكم بالضبط الأسئلة المتعلقة بالنيفو ديبيتان نيفو 1 بالنسبة لا ميثود لاوس المشهورة عالميا بتعليم اللغات الحية، من بينهم الإنجليزية والألمانية والإسبانية والإيطالية إلى آخره. Alors, combien y a-t-il d'articles définis en allemand? Notre carré est bien sûr un seul lourd qui goûte. Combien y a-t-il d'articles définis en allemand? Parce que vous savez bien qu'il y a trois genres qui sont les sept noirs en Allemagne, qui est masculin, au féminin ou neutre. Parce que le masculin, d'ailleurs, on dit l'article der. Parce que le féminin, d'ailleurs, on s'appelle le di. Parce que le neutre, d'ailleurs, on s'appelle le das. Il y a di, das. Alors, sur le terrain, tu veux le traduire vous. 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 Donc, vous, ça veut dire où. Pour le français, ça se met où. Aïna. Vous. Vous, ça veut dire où. Aïna. Traduisez la gare. Alors, la gare, pour le français, c'est un nom féminin. En allemand, c'est un nom masculin. C'est l'article der. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Der Bahnhof. Alors, soit rabe, traduisez vos ist et vos sind. Vos ist et vos sind. Vos ist, il y a oué. Et vos sind, le pluriel de vos ist, c'est où sont. Vos ist, oué. Vos sind, où sont. C'est bon, dès que tu prononces tefla. Comment prononce-t-on le de E? Comment en France avec F ou avec V ou avec W de Western en anglais? Alors au moins vous que maintenant V. Le mec me le tape à la chic. Alors ça elle cesse. Quelle est la syllabe accentuée de mousillon? Il y a trois syllabes. Mousillon. Mousillon. Bien sûr, l'accent est l'avant-dernière. Ça veut dire la syllabe accentuée, c'est l'avant-dernière. C'est zi. Mousillon. Mais le metaf. Mousillon. Le musée. Das Museum. Das Museum. Traduisez s'il vous plaît. S'il vous plaît, man arjouk ou arjoukum. L'allemagne, c'est ma bitte. 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 Please. 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 Bitte. Alors, lequel de ces deux mots signifie à droite? C'est sur le thème. Rist. Or links. Je vais à la droite. Est-ce que c'est rechts ou links? Oda links. Links. Rechts ou da links? Est-ce que c'est rechts? Rechts. 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 Tabou fin notre radic CH. N'a pas le tel le mutilata. Pas le chez Rabaf Ostelsen. Rechts. خرج لسان ديالك شويه هكا غيست فوالا. تخدويسي وي لايغوبور. لايغوبور معناها هي دير فلوك هافن. فلوك هافن. فو است دير فلوك هافن. وي لايغوبور فو است دير فلوك هافن. فلوك هافن. تخدويسي است هي اي است شنو هي معناها هي اي فون. ننتقلوا حاجة جديدة. شوفوا حاجة جديدة ده. شوفوا أسئلة أخرى. alors traduisez où est le taxi? Où sont les taxis? Où est le taxi? C'est le singulier. Où sont les taxis? C'est le pluriel. On dit vous is das taxi, vous in des taxis. Où est le taxi? Vous is das taxi. Où sont les taxis? Vous is des taxis.
Vous êtes des taxis. D'accord? Traduisez merci, c'est donc. On dit donc. Donc. En allemand, la première syllabe d'un mot est toujours accentuée. Vrai ou faux? Non, faux. Parfois la première syllabe, parfois l'avant-dernière syllabe. Il y a une mise de conflit au wul, une mise de conflit au wul. Traduisez où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît. L'arrêt de bus, c'est Debushaltestelle. Vous êtes Debushaltestelle 8. Vous êtes Debushaltestelle 8. Ça veut dire où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît. C'est la question 14. C'est pas la question 15. Neben. Signifie à côté de, là-dedans, là. Bien sûr, c'est à côté de. Neben, c'est à côté de. Alors, traduisez Das Museum ist links von den Bank. Das Museum ist links. Das Museum ist links von der Bank. Das Museum, ça veut dire le musée. Et à gauche, ça veut dire ist links von. À gauche de. Ist links von. Ist links von. Den Bahnhof, pardon, des banques. Der Bank, ça veut dire la banque. De la banque. Et à gauche de la banque. Le musée est à gauche de la banque. Alors, le musée est à gauche de la banque, ça veut dire Das Museum ist links von den Bank. Von den Bank. Alors, on continue toujours avec cet exercice de révision pour l'allemand, pour l'apprentissage de l'allemand. Traduisez à gauche, ça veut dire links, à droite, rechts. Bon, pardon, du links, rechts, links, rechts, links, rechts. Traduisez des. Die Bushaltestelle ist in der Nähe von dem Bahnhof. Die Bushaltestelle ist in der. Nier von dem Bahnhof. Ça veut dire l'arrêt de bus. Die Bushaltestelle ist in. Ça veut dire est près de. Ist die Nier von dem Bahnhof. Ça veut dire près de la gare. Von dem Bahnhof. Von dem Bahnhof. Traduisez la banque est près de l'hôtel. La banque est près de l'hôtel. Est près, ça veut dire ist die Nier von. Ist die Nier von dem Hotel. Die Bank ist in der Nähe von dem Hotel. Alors, das Hotel ist in der Nähe von dem Bahnhof. Ça veut dire l'hôtel est près de la gare. C'est la question 20. L'hôtel est près de la gare. Ça veut dire das Hotel ist in der Nähe von dem Bahnhof. Maintenant, les autres questions. Maintenant, on a la question 21. Donc, dans la phrase suivante, on remplace « dire ou pas » par un pronom personnel. « Vous êtes ou pas ?»« Ou pas » c'est féminin. Alors, on dit « vous êtes ?»« Vous êtes ?» C'est pas « vous êtes ?» Non, « vous êtes ?»« Vous êtes ?» Vous dit. Oh, oui. Vous dit. Vous dit. Dans la phrase suivante, remplacez dit ou pas par un pronom personnel. Par un pronom personnel. Vous dit. Vous dit. Vous dit. Vous dit. Vous dit. R-Z-S. Vous dit. Malina, avec D-R-Z-S-I-E. On continue. Remplacez dans l'autre les mots suivants de manière à obtenir une phrase cohérente. Bushaltestelle von dem Museum ist die. Die Bushaltestelle ist vor. Vor, vor, ça veut dire devant. Ist vor dem Museum. Ist vor dem Museum. Die Bushaltestelle ist vor dem Museum. Die Bushaltestelle ist vor dem Museum. Ist vor, ça veut dire devant. Traduisez dans, ça veut dire in.
Les plusieurs articles définis pleurer en allemand, vrai ou faux, faux. Il y a uniquement dit. Der, dit, ou das, dit. Dit, mais pleurer, l'article défini pleurer en allemand, il y a dit. Alors en allemand, il y a des voyelles longues et des voyelles brefs. Vrai ou faux, vrai. Qui n'est pas les voyelles qui sont trois, mais là, la prononciation qui est qui est ça, je suis. Alors en fin de mot, le g se prononce k. Vrai ou faux? Vrai. Comme der Zug. Hein? Alors remettez dans l'ordre les mots suivants de manière à pouvoir poser une question. Hôtel ist wo das? On dit wo ist das hôtel? Je suis dans hôtel, das hôtel. Dans on dit que je suis mal en France, c'est das hôtel. Wo ist das hôtel? Alors traduis ici, où est la gare s'il vous plaît? On dit wo ist der Bahnhof bitte? Bitte ça veut dire s'il vous plaît. Où est la gare, ça veut dire vous is der Bahnhof. Alors, en allemand, tous les noms prennent une majuscule, vrai ou faux, bien sûr c'est vrai. Tous les noms communs ou les noms propres prennent une majuscule, c'est pas comme le français. Alors dans la phrase suivante, remplacez dit téléphone s'il, oui, par un pronom personnel, vous in dit téléphone s'il, vous in zi, 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 féminin, bien sûr, zi, pleurer, vous in zi. Alors, la question 31. Alors, comment écrit-on oui en allemand? Ya ou ya? Avec G habituel. Ya. Traduisez-vous ist die Busladestelle. Ça veut dire où est l'arrêt de bus? Busladestelle, ça veut dire l'arrêt de bus. Dans la phrase suivante, remplacez das Restaurant par un prénom personnel. Das Restaurant ist neben dem Hotel. Dans la phrase suivante, remplacez das Restaurant par un pronom personnel. On dit es ist neben dem Hotel parce que das Restaurant c'est un nom neutre. On peut remplacer par un pronom personnel es. Es ist neben dem Hotel. Quel est le genre de téléphone cellulaire, masculin ou féminin ou neutre? Bien sûr, c'est masculin. On dit féminin. Des téléphones cellulaires, c'est féminin. دائما في اطار الدروس الدعم والتقويه بالنسبه للغه الالمانيه بالنسبه للمبتدئين voici les exercices باش يمكن لكم تاهلوا النيفو 2 donc remettez dans l'ordre les mots suivants de manière à pouvoir poser une question est de bitte faux faux banque دابا خصنا نقيدوا هاد الكلمات باش نحصلوا على كيسيون دي فو است دي بانك بيت انا وي لا بانك سيل فوبلي traduisez merci beaucoup on dit vielen dank merci dank Merci beaucoup, vielen Dank. Ou merci bien, fait danke schön. Kein bzef tor, kein danke schön, danke, vielen Dank. Alors comment direz-vous, nous sommes à Berlin. Sie sind in Berlin. Wir sind in Berlin. On dit wir sind in Berlin. In Berlin, j'ai un Berlin. In Berlin. Alors, si vous adressez à plusieurs personnes, que vous connaissez bien, quel pronom allez-vous utiliser? Il aussi, bien sûr, il. Il y a grâce à vous de pleurer, aussi grâce à vous de politesse. Zi, avec majuscule, grâce à vous de politesse. Zi, avec vous de politesse. Ana, je suis un homme, 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 je J'ai même un nom, le Z. En allemand, on se prononce S ou T sous Z. Bien sûr, T. Tss, comme ça. Tss, tss. Quel est le pluriel des Bahnhof? Die Bahnhof. Die Bahnhof. Alors, next video, votre cadre, et la hessesse, on va dire, Inch'Allah. Et alors, il y a une dame, on va dire, l'orgue allemande, c'est le mot de In, libéral, c'est le mot allemande. يمكن لي يبقى وفي لهاد كرونو باك 2018 سيتعلم اللغة الألمانية بشكل جيد. ألو تشوس